sur ma chaîne Les Confidences de Flo et avec le même pseudo sur Instagram. Voilà. Donc je suis super contente de vous retrouver après de longs mois d'arrêt, mais je vous expliquais tout ça. Il y a eu pas mal de choses, des bonnes et des moins bonnes malheureusement, et puis voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Donc mon dernier podcast, je crois qu'il remonte à enfin au début septembre, je crois. Voilà. Du coup, bah après il y a eu la rentrée scolaire, donc se remettre dans la rentrée. Moi, mon grand, il est en troisième, donc il y avait pas mal de réunions de projets, préparation. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Hein, je suis pas la seule à y passer, et je serai pas la seule à y passer. Voilà. Donc après. On s'est remis un petit peu dans le rythme, ça a été compliqué. On y est arrivé. Ensuite, mon mari a retrouvé un autre travail. Il est rentré dans une période où c'était une grosse période pour ce milieu-là et ce travail-là. Et du coup, il a bataillé. Enfin, je veux dire, quand vous arrivez, que c'est le gros rush, que vous ne connaissez rien, forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais. Voilà, c'est enfin rentré dans l'ordre. Après la période des fêtes, ça allait mieux. On était à peu près serein, je dirais pas ça, mais bon, on avait retrouvé un peu un rythme de croisière. Et en fait, pas tout à fait, puisque ma maman devait passer des examens. Il y avait un problème qui était nouveau et assez sérieux, donc elle a été voir des spécialistes qui ont dit que ça pouvait attendre. Et puis ensuite elle avait un problème au niveau du cœur et il fallait qu'elle rentre à l'hôpital. Un problème au côté du cœur, après c'était, si vous voulez, il fallait faire cette intervention n'importe comment, mais il fallait pas attendre. Il n'y avait pas vraiment péril dans la peur. Donc voilà, elle est rentrée à l'hôpital. Je vous l'avais un petit peu sous-entendu parce que j'avais fait un poste où j'avais fait des chemises de nuit pour ma maman. Voilà, que normalement j'essaierai de vous parler dans ce podcast. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait. Et ben ma maman elle est parvenue de l'hôpital. Voilà, donc là ça a été une bonne descente aux enfers. Enfin, pas une descente aux enfers, mais un moment difficile. On vous plonge dans des trucs, c'est affreux. Enfin, c'est. Je sais pas comment vous expliquer. Tellement c'est. C'est tellement des choses auxquelles on n'est pas confronté quand on s'y retrouve. Mais je suis dans une autre dimension, c'est pas possible, c'est pas moi qui décide ça, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui. Alors en fait, moi je suis unique et mon papa a des problèmes cognitifs, donc autant vous dire que tout est pas mal tombé sur moi, mais bon, j'ai géré tant bien que mal, et puis voilà, puis on gère encore. Hein. Rien n'est fini, rien n'est arrêté, il y a encore plein de choses à faire. On n'a pas vraiment le temps de souffler, on n'a pas vraiment le temps de coudre, j'essaye parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'en ai besoin. Ça a été difficile de s'y remettre, hein, je ne vous cache pas. Les dernières cousettes étant pour un an, forcément, c'était un peu compliqué quand vous rentrez dans la salle et qu'il reste plein de tissus sur ce que vous avez fait. Mais bon, voilà, on avancera. Pour elle, pour nous, et puis c'est comme ça, c'est la vie malheureusement, mais il faut continuer. Voilà, donc voilà un peu toutes les raisons de mon absence. Après j'aurais peut-être pu revenir un peu, mais j'y arrivais pas, j'avais pas le temps.
Quand j'avais le temps, j'étais fatiguée. Ouais, ça a été un peu fin d'année, début d'année compliqué. Mais voilà. Donc voilà, donc j'ai repris lentement la couture, mais sûrement. Je vais vous parler de différents petits projets que j'ai fait depuis le début d'année. Hein. De toute façon, il n'y avait même pas de quoi faire un podcast tous les mois. Il n'y avait pas de quoi. Il n'y avait pas de quoi. Il n'y avait pas de quoi, il n'y avait pas de quoi. Hein. Après, on va pas en faire une. On va pas. Pas changer l'histoire. Donc, première chose que j'ai fait sur 2022. Alors, déjà, je vais vous montrer, mais ça, je n'ai pas fait sur 2022, mais je ne crois pas vous la présenter en podcast. Parce qu'il me semble que je l'ai fait en fin d'année. C'est mon top Pléonf. Donc, je vais me lever. Pourquoi vous voyez, donc, une petite encolure V. Là, on a un empiècement, vous voyez bien. Et puis, une basque froncée qui arrive. Que je vais être assez grande pour vous montrer tout ça. Voilà, qui arrive mi-hanche en fait. J'ai ma poche et ça arrive juste en dessous de la poche. Voilà. Donc, l'encolure n'est pas très saillante et le V n'est pas très saillant non plus. Mais bon, pas grave. Il se porte. Voilà, puis l'alcool, il a un petit souci derrière. Je porte une petite écharpe. Pas et parce que je le trouve hyper confortable et surtout du fait qu'il y ait cet empiècement devant bah en fait ça fait pas femme enceinte parce que quand on est forte si on met un truc qui a été fronce sur le devant tout de suite ça peut faire bon, on le sait que vous n'êtes pas enceinte hein, parce que vous êtes un petit peu bizarre et c'est pas très saillant. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte et bien après c'est un jean du commerce et rien ne fait bien après. Donc, la première cousette de cette année. Donc, la première cousette de cette année, c'est le manteau Kenzo de Mademoiselle Balam Par et de Vinnie DIY. Donc, voilà, c'est un manteau. Assez oversize, je ne sais pas si vous allez voir sur les photos, s'il a peut-être. Assez oversize, qui n'est pas doublé. Donc c'est vraiment un manteau assez simple. Donc ce manteau, c'est un patron PDF qui va du 36 au 52. La difficulté, alors c'est moi qui l'ai mis, j'ai mis 2,5 sur 4. 1,5 sur 4, pardon. Parce que. Enfin, je vous expliquerai après. Donc, je l'ai fait en 50. Honnêtement, j'aurais pu le faire en 48. Et je pense même qu'il aurait été plus saillant en 48. Mais bon, c'est pas grave. Si je le refais, je le referai en 48. Pour ce manteau, il vous faudra 3,10 m à 3,30 m de lainage. 3 m de biais. En 20 mm et 4 crosses pression à coudre. Voilà. Et moi, pour faire ce manteau, j'avais acheté un lainage chez Dressenstoffen, un jacket wool navy twill qu'on a pas mal vu sur les réseaux, un peu dans tous les coloris. Moi, il était marine. Alors là, de toute façon, je vais vous montrer le manteau, vous verrez bien, mais c'était vraiment pour vous montrer un peu. Voilà, il fait serger en fait. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc, c'est. Voilà, c'est simple. J'ai surjeté toutes mes pièces à la machine et j'ai fait des coutures à la machine. Alors, je vous montre la bête, bien sûr. J'ai toujours pas plus de recul. Et je vais vous montrer aussi. Ce qui va pas des masses. Là. Voilà. Bon, là, il y a un souci. Il est en train de carrément se décrocher. Mais, pas grave. Voilà.
Donc voilà un petit peu l'esprit d'en haut. Enfin, voilà, ça fait un col châle qui se referme sur le devant. Vous avez pu m'entendre. Donc voilà, ça fait un col châle comme ça. Enfin voilà. Derrière, vous avez la capuche qui est entièrement doublée. Et du coup, et vous avez. Alors c'est très très lourd. Et vous avez des poches plaquées. Ouais, elles sont là. Des deux côtés. Donc voilà l'allure générale du manteau. Je vous le mettrai en photo sur le mannequin. Ou je sais pas, mais alors j'ai noté que c'était quand même un manteau assez facile à faire parce qu'il n'y a pas doublé, il n'est pas doublé donc forcément ben voilà hein. Je vous ai peut-être pas montré l'intérieur. Donc en fait on a une parementure qu'on finit par un biais pour que ce soit tout joli. Là voilà, là j'ai accroché ma parementure là, je l'ai accroché dans mes épaules. La parementure ne me gêne absolument pas. Pour une fois, ça ne me gêne pas. Par contre, pourquoi ça ne veut plus tenir ça? Voilà. Par contre, donc je vais finir sur mes remarques déjà, puis après je vais vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas parce que j'ai à le reprendre et il faudra vraiment que je m'y mette. Parce que j'aurais bien porté par un temps comme il fait aujourd'hui. Donc voilà, il n'est pas doublé, mais j'ai trouvé quand même l'ampleur assez dure à gérer. C'est vrai qu'on a quand même des grandes pièces à gérer. Mais bon, c'est comme tout, on y arrive. Par contre, j'ai marqué aussi, si vous voulez le faire, après ce n'est que mes conseils, choisissez pas un lainage trop mou. Parce que si vous prenez style une polaire, je pense que vous allez vite avoir l'effet peignoir. Parce que c'est des grandes pièces et il faut un peu de tenue. Sinon, ça fait tout de suite peignoir. Donc voilà. Bon, alors ce manteau. Mes pressions à coudre. Bah alors. Là, j'ai un petit peu merdé. Il faut bien le dire. Parce que déjà, j'ai fait ma tête de caboche, hein, comme d'habitude. Donc, parce que quand même, pour vous dire le truc, donc ils nous disent de coudre des pressions. Des grosses pressions. J'achète mes grosses pressions. Je me dis, tu vas les coudre que sur la parementure et pas sur le manteau. Parce que sinon, ça va asseoir, ça va être beau. Bon. J'ai ma cousine qui a fait le même, elle me dit « Ouais, moi, ça me dit pas bien les pressions à coudre. » Je dis surtout « Couler sur tes deux épaisseurs parce que ça va pas faire, ça va se décaler comme moi et tu verras, c'est pas beau. » Elle me dit « Ouais, mais le problème, c'est que ça va se voir de l'autre côté. » Je dis « C'est pas grave, tu couds des boutons. Pourquoi conseiller aux autres ce qu'on peut faire soi-même, franchement ?» Moi, je me dis, il y a quand même des moments où on a un peu l'esprit en mauvais. Bon, alors, ce que j'aimerais faire, c'est que quand même, j'aimerais lui mettre des boutons et quand même, j'aimerais essayer de faire des boutonnières. Je pense que je vais pouvoir parce que le lainage n'est pas hyper épais et qu'il est quand même assez... il a quand même une bonne tenue. Ce lainage est vraiment très, très beau. Et puis, j'ai fait aussi... En fait, j'ai fait un boutonnage masculin. Vous savez, les femmes, c'est... alors, attendez, ça doit être... D'après mon schéma. Voilà, c'est ça. C'est côté gauche sur côté droit, et homme, c'est côté droit sur côté gauche. Logique. Moi, j'ai bien mis côté droit sur côté gauche. Je me suis dit, c'est pas grave, on ne le regarde plus, ça, maintenant, c'est pas grave aussi. Voilà. Sauf que non. Non, non, on ne le regarde plus, certes. Mais quand vous êtes habitué à quitter un manteau d'une certaine manière, eh ben, je suis gênée. Ça m'embête. C'est pas vital, hein, bien sûr que non. C'est pas ce qui va faire que le manteau n'est pas métable. Mais bon, voilà. Donc, quitte à faire,
Autant je pense faire en. Je vais essayer de faire des boutonnières. Et puis je vais le faire surtout du bon côté. Parce que ça me gêne trop. Ça me gêne trop, c'est pas ma main, ça va pas, ça fait pas. Donc voilà. Voilà pour ça. Et en fait, ce qui est arrivé du fait que mon manteau, j'ai pas cousu mes deux. J'ai pas cousu ma parementure, enfin ma pression, ma parementure et mon tissu principal, c'est qu'en fait mon manteau il se décale. Alors ça me fait une bande, mais je vous mettrai des photos pour vous imaginer tout ça. Ça me fait une bande et c'est vraiment laid. C'est vraiment vraiment laid. Il faut vraiment coudre les deux épaisseurs ensemble, sinon ça fait pas ou faire des boutonnières. Mais bon, faire quelque chose qui fasse plus joli. Donc voilà pour ce modèle. Après, j'ai rien à redire. Si vous achetez ce PDF, vous avez un PDF sans marge de couture et avec marge de couture. Donc ça déjà c'est bien. Sans marge de couture avec marge de couture. Donc moi j'ai pris avec marge de couture, vous ferez attention, des fois il y a des petits hic. Par contre, il y a un hic et je crois que c'est pour ça que j'ai mis 1,5. Quand alors je ne sais plus quand est-ce qu'on fait cette étape. Il y a un moment. Ah, attendez, que je m'y retrouve. À peu près. Donc voilà. Ça, c'est ma couture d'épaule. Et là, en fait, à la base de la capuche, parce qu'en fait, on découpe tout, hein, on découpe la capuche avec le corps du manteau. Et donc, je pense, pour que ça fasse un peu à rentrer, puis que la capuche se casse un peu pour vraiment avoir cet effet capuche, on fait une pince. Donc, on fait une pince qui va de notre. Enfin, quand on coud notre capuche. On passe vers l'épaule et on continue encore. Et là, c'était pas très clair. Là, les explications, même moi, vous voyez, pour vous l'expliquer, je n'arrive plus trop. Voilà, c'était assez approximatif. Et puis, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas forcément de vidéo, il n'y avait pas forcément d'aide plus que ça où j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en avait que je n'ai pas trouvé, hein. Ça se peut aussi. Après sur les explications, je m'excuse, hein, je vous fais un petit peu de bruit, mais je vais quand même vous montrer. Donc voilà un peu les pièces du patron. Hein. Et en fait, c'est cette pince-là qu'il faut, bah, qu'il faut choper pour arriver à coudre tout ça. Alors. Après, je vais vous montrer vite fait parce que donc voilà, en fait, voilà, on a plein d'explications comme ça en nous mettant les différentes coutures. Après, on a un pas à pas un petit peu plus détaillé sur une toile pour qu'on voit un peu mieux, mais en fait. Je trouve que c'est quand même assez approximatif. C'est vraiment tiré au feeling que vous le faites. Hein. C'est pas. Voilà. Bon, après, j'y suis arrivée. Ma cousine a été un petit peu comme moi, perdue à cet endroit. Donc, je me dis que quand même, je suis pas si con que ça. Et puis, on y est arrivé toutes les deux. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà pour cette cousette. Donc pour ce qui est de la suite, je vais vous parler des chemises de nuit que j'ai cousues à ma maman. Donc voilà, pour son intervention, elle voulait des chemises de nuit. Donc on a regardé un petit peu dans le commerce, mais dans le commerce, ça n'existe plus.
Les chemises de nuit sont un peu courtes, courtes. Et elle voulait quelque chose d'un petit peu long. Parce qu'elle m'a dit, moi, monter et descendre du lit, si on voit tout. Donc je lui ai dit, je vais te les faire. Ça me fait plaisir, je vais te les faire, je vais trouver le temps, je vais les faire. Donc, j'ai pris ma fameuse Bible coudre le stretch de Marie Poisson. Et puis j'ai feuilleté un petit peu un soir comme ça dans la télé. Et en fait, je me suis aperçue qu'à un endroit, elle disait. Où est cet endroit? Ouh. Voilà. Donc, elle dit, voilà, elle explique en fait comment marchent ses patrons, comment fonctionnent ses patrons. Et elle dit, on peut choisir les manches, on peut choisir la longueur et on peut le faire en robe. Maintenant, je suis en train de voir que c'est quand même tunique, robe courte. Bon, j'avais pas vu. Qu'on peut rallonger les modèles Briaque, Gabrielle, Elouane, Lucille et RL en utilisant le modèle Yvonne. Donc, le Briaque, c'est celui-ci, le basique. Et Yvonne, c'est un top à bretelles décliné en nuisette, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, elle nous explique que on prend le haut de notre brioche. Voilà, ça, je vais vous montrer autrement. Donc, alors après, j'avais choisi robe, modèle robe. J'ai choisi manche courte. Que bon, dans les hôpitaux en général on n'a jamais très froid et puis quand on a des fils de partout si en plus on a des manches longues je trouvais que c'était pas forcément GG et puis j'ai décidé de lui faire comme encolure celle-ci l'encolure ronde dégagée voilà vraiment c'est celle-là qui est de base avec ce col V, je crois. Et après, on peut changer. Et moi, j'ai fait ce modèle-là d'encolure. Donc, dans ces modèles-là, tout s'imbrique en fait. Vous montez comme un Lego. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais découper ma bande d'encolure pour l'encolure dégagée. Ronde dégagée. J'ai commencé à faire mon premier patron. Si j'avais des pinces, ça m'aiderait pour vous montrer. Ah, attendez 2 secondes. Voilà, je vais vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais essayer de vous montrer à peu près comme il faut en fait. Comme il faut, dit la dame. Donc, voilà ce que j'ai coupé. Donc, mon haut, mon bas pour faire ma première ma toile. Voilà. Donc, la toile, nous l'avons fait dans Ah, j'entends on ne veut pas trouver ce qu'on veut. Hein. Voilà, dans ce jersey-là. Bon, j'ai pas défait la chemise de nuit, hein, j'ai pas défait la toile, mais oh. Bref, j'ai voulu faire une culotte à ma fille avec ce qui restait. Je vois que là j'ai un petit souci de pli, mais bon, pas trop grave. Donc voilà, donc c'était juste pour parler du jersey. C'était ce jersey-là que j'avais acheté chez Dressumstoffen au prix de, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, qualité Gore-Tex, enfin une très belle qualité, puis on le sent, hein, c'est très très bien. Donc là je refais un petit ensemble comme je l'avais fait.
Donc voilà, je suis partie, j'ai fait ça. On l'a un petit peu essayé comme ça. Et elle me dit, non mais ça va pas, c'est trop court. Bon, je dis, ok, c'est pas grave. Je redescends ma toile. Je me dis que je vais la rallonger de 15 cm. Donc, je fais ça. Mais je vous ai pas expliqué quand même avant. Donc, j'ai découpé mon haut de mon briaque. J'ai collé mon encolure. J'ai décalqué jusqu'à la ligne de taille. Là. Et après, j'ai pris ma jupe Yvonne que j'ai également décalqué jusqu'à ma ligne de taille. Après, j'avais rejoint mes deux lignes de taille. C'était vraiment tout simple. Donc là, entre mes deux morceaux, j'ai rajouté 15 cm. Et là, à partir de la manche, bon, je ne vous montre pas, jusqu'au bas presque de la jupe, j'ai coupé droit pour pas avoir ce cintrage. Mais ça, c'était vraiment le patron définitif de la fin, parce que même quand j'ai rajouté les 15 cm pour voir la longueur, elle était encore cintrée. Donc voilà. Donc pour la longueur, on était bonne. Pour la largeur, on était bonne aussi. Et puis après, les autres, comme elles étaient un petit peu plus moins fitées, moins cintrées, ça allait être encore mieux. Donc j'ai fait ça. Alors quand j'avais plus de tissu, j'ai mis un gros morceau blanc, mais bon, de toute façon, ça n'en est pas servi. Donc c'est pas très grave, mais bon, elle a dit que c'était pas grave et qu'elle l'aimait bien et que voilà, comme une maman dit toujours. Et puis j'en ai fait deux autres. Alors, j'en ai fait une dans jersey avec du petit pois collé dessus argenté. Voilà. C'est un jersey que j'ai acheté vers chez nous, là, à Firminy. On a un décor discount qui vend des tissus. Bon, en fait, normalement, décor discount, c'est pour tout ce qui est pour la maison, moquette, peinture. Ils vendent un peu des fins de série. Mais c'est bien. Bon, moi, j'aime bien y aller. Et puis, nous, ils vendent des tissus. Et ils vendent même les mêmes magazines que Dressenstofen. Les Stitch, je crois qu'il s'appelle, enfin je sais plus. Bref, voilà, on s'égare, on s'égare. Donc j'ai pris celui-ci. Donc vraiment de bonne qualité. Heureusement que j'ai lavé parce qu'il a perdu, je crois, presque 20 cm. Ça m'étonne, hein, mais je pense qu'en fait il s'est élargi et qu'il s'est rétréci. Bon, bah, c'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça, hein. On ne peut rien, enfin, on ne peut rien. J'ai pu rentrer ma chemise de nuit. J'en ai fait une seconde là, dans ce jersey-là. C'est des petites plumes. Oui, vous voyez bien. Avec plein de couleurs sur les tons de rose, gris. Je trouvais que c'était très beau. Puis bon. Après, il fallait quand même des modèles qui fassent aussi un peu chemise de nuit, quoi. Pas je me la joue bourge. À l'hôpital, moi je veux pas être en chemise de nuit, donc voilà, non, non, mais voilà, vraiment, j'étais contente, elle était très contente. Alors, la dernière cousette, c'est une cousette homme pour monsieur, oui. Et je me suis appliquée. Donc, on était parti pour faire. Enfin, j'avais vu cette veste sur la maison Victor. Voilà. Il y a aussi Cassandra ou Capucine? Capucine, je crois, de Cap Incas qui l'avait pour son mari. Elle, elle a respecté. Elle a fait vraiment dans ce tissu-là, en double face. Là, en fait, c'est un lainage doublé avec un teddy. Voilà. Bon, bah, moi, déjà, je n'ai pas trouvé bon tissu parce que je suis un petit peu tard.
soyons honnêtes. Donc j'ai pas trouvé le tissu. Quand j'ai trouvé le tissu, il y a eu toutes nos histoires, j'ai pas pu m'en occuper. Quand je suis revenue à la maison, mon mari me dit, mais ça va me gratter. Bon, je dis, bon, allez, c'est pas grave, on va faire une toile, déjà pour valider ou non la taille, et puis on verra le reste après. Donc, je lui l'ai fait en tripixel, la plus grande taille. Parce que mon mari, un petit bidou. C'est charmant, mais ça rentre pas dans les fringues. Voilà. Donc voilà, et pour faire ma toile, comme ça allait être normalement au 21 mars, ils disent qu'on est au printemps, et ben je l'ai faite en jean. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà. Alors, oui, c'est pas fini. Il me manque les boutonnières et les boutons. Alors, les boutonnières, j'ai pas pu les faire parce que j'avais plus de fil. De surpiqûre comme ça. Enfin, j'en ai pas assez, je pense, pour faire une boutonnière. Ou ça serait trop juste. Et les boutons que j'ai achetés sur internet sont, je trouve, un peu petits et j'ai peur que ça gâche un peu le truc. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on voit quand même la bête, hein. Enfin, on la voit, alors pas tant que ça, mais bon. Alors là, voilà, le fond est comme ça, surpiqué, la manche est surpiquée aussi, le dos a une petite surpiqûre, on a une parementure. Là d'ailleurs c'est super bien monté parce que de la manière dont on fait, on ne voit pas le col, enfin ça cache les coutures du col qui sont là-dessous. Voilà, donc ça, j'ai mis un petit tissu contrastant sous le col et je lui ai fait des poches dans le même tissu. Petite interruption. Donc je vous disais, oui, j'ai fait des poches dans le même tissu contrasté qu'on revoit ici. Alors lui m'a dit qu'il trouvait que les poches étaient un peu à l'arrière. Alors je pense que en fait il manque d'aisance, hein, tout simplement. Il aurait bien fallu une ou deux tailles en dessous. Après, est-ce que... ouais, voilà, je sais pas. Enfin, il les trouve un peu en arrière. Moi, j'ai essayé son blouson et en fait, ouais, je trouve aussi que c'est un petit peu en arrière. Bon. Après, il était content quand même. Donc, pour ce patron, j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai mis un temps infime à le coudre parce que en fait après ces événements là, moi j'arrivais pas à me concentrer. C'était j'arrivais dans ma salle couture, je flânais de ci de là, je faisais trois coutures, c'était fini, plus rien qui se faisait. Et puis je crois que c'est le week-end dernier quand même, j'ai vachement avancé et j'étais toute contente. Donc voilà, maintenant il ne me restera qu'à faire les boutonnières et les boutons. Et normalement, ça devrait être bon. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, alors là, pour faire le col, on vous dit qu'il faut couper un tout petit peu plus petit le dessous de col. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et en fait, vous voyez, quand il le pose comme ça, de ce côté-là... ça ressort quand même pas mal. Et de l'autre, non. Ça se tient bien, mais de ce côté, ça ressort. Bon, c'est dommage. Mais bon, c'est pas très très grave non plus. Voilà, j'aime bien les surpiqûres. Je me suis bien appliquée.
Je trouve que je me suis bien appliquée. Il était quand même content. Voilà, j'ai surpiqué toutes mes pièces. J'ai surjeté, pardon. Je vous ai dit surpiqué aussi tout à l'heure. Non, c'est surjeté. Voilà, j'ai surjeté toutes mes pièces. Et ça fait un joli blouson en jean. Ça fait pas de blouson en jean avec les codes de blouson en jean, mais ça fait petit blouson printanier. Voilà. Et avec les boutons, je pense qu'il aura du cachet. Oui, un petit peu plus de cachet. On va pas le la porter, hein. Il faisait très beau le week-end dernier. Il lui tient pas chaud, mais quand même, il y a quelque chose sur les épaules. Donc, voilà. C'était un modèle, je vous l'ai pas dit. La maison Victor, celui-ci, ben c'est celui-là, hein, en fait. C'est numéro 1, janvier-février 2020. Et voilà le schéma technique. Donc on retrouve bien cette couture dans le dos, les petites surpiqûres aussi là, et puis pareil le devant en deux pièces, et puis en bas une bande de taille et des bandes de poignet. Donc en fait je suis un peu déçue parce que niveau épaule il lui va super bien, longueur de manche, je crois que ça va, ou peut-être un petit peu grand, je me rappelle plus. Et en fait, c'est là, quoi. Je vous mettrai quelques photos. Je soudoirai monsieur. Et puis, normalement, voilà. Je devrais avoir des photos. Voilà pour ces petites cousettes que j'ai fait. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Il y en a que j'ai fait, que j'ai même pas fini. Enfin, ça a été un peu n'importe quoi. Pas grave. Pas grave. On s'y remet. On fait un autre rythme. Et tout ira bien. Et puis surtout, je voulais vous dire aussi, j'ai peut-être eu un peu grand quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo toutes les semaines. Non. Non, non. C'est absolument pas possible. Alors maintenant, c'est encore moins possible. Voilà, je vais être bienveillante avec moi. Donc, si j'ai le temps, je fais des vidéos. Si j'ai pas le temps, je ne fais pas de vidéo, je ne voudrais pas être absente comme j'ai été quand même, parce que je trouve que vis-à-vis de vous, c'est un peu. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Voilà, mais ça devrait prendre. On devrait reprendre un autre rythme de croisière différemment, mais on va y arriver. Et puis voilà, il faut penser à soi aussi, il faut souffler, se dire que on arrivera à tout. Mais il ne faut pas se mettre de pression. Je pense que la pression, on en a assez avec nos enfants, avec notre travail. On a assez. Les choses d'à côté, il ne faut pas s'en mettre. Honnêtement, il faut tout faire par le plaisir et pour le plaisir, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et je m'en suis vraiment rendu compte, parce qu'à la fin, j'en étais même énervée, à dire, mais attendez, là, on ne va pas faire ça, moi, il faut que je tourne. Non mais c'est bon, enfin, c'était pas une youtubeuse quoi. T'es une couturière, tu t'éclates à montrer ce que tu fais. Et parce que je trouve que par respect aussi pour vous, si je vous montre des trucs qui ont ni queue ni tête, ah, ça fait pas avancer. Enfin, je veux dire, c'est pour tourner une vidéo, pour tourner une vidéo, il y a un moment où il va manquer de contenu. Hein. De profondeur, soyons clairs. Donc voilà pour ça. Un petit mot aussi sur la formation. Et ben, avec tout ça, j'ai un petit peu perdu pied. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de m'y remettre. Je sais plus. Là, je tâtonne encore un peu, mais je me dis que peut-être, ouais. Peut-être quand même sonner un coup de pied derrière et puis essayer de la faire, mais j'y arrive pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Après, je suis pas dans la phase la mieux pour réfléchir à tout ça, et puis je n'ai pas que ça à réfléchir. Et en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Si ça fait, ça fait, si ça fait pas, ça fait pas. C'est comme le reste en fait, hein. Voilà. Et puis surtout qu'en fait, à la fin, c'est pareil, c'est tout est lié. Donc, je faisais des vidéos.
Je faisais la formation. De faire la formation, ça prend du temps. Je cousais plus pour moi, donc j'avais plus de couture loisir. En fait, c'était que j'aimais cet apprentissage, pas question. Mais en fait, il arrive un moment où je craquais un peu, quoi, parce que voilà, parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Quand on a un loisir, c'est du plaisir. Et en fait, cette formation est bien, elle est même très bien, mais il faudrait qu'elle soit pas limitée dans le temps, en fait. Il faudrait qu'on ait du temps pour la faire. Et je pense que le fait d'avoir plus de temps, on pourrait plus en profiter et plus, enfin voilà, qui est que la formation soit payée par Pôle emploi pour des gens qui ont des reconversions à faire. Ok, c'est payé par Pôle emploi, il faut respecter un délai, très bien. Pour des personnes qui ont un CPF, qui ont envie d'utiliser et qui n'ont pas de projet de reconversion, pourquoi pas la faire en 1 an et demi, 2 ans, enfin, ou sans limite, passer l'examen quand on est prêt. Puis c'est tout. C'est sans doute très improbable ce que je dis, puisque quand même il y a toute une logistique derrière ces cours, hein. C'est clair, hein. On est quand même. Voilà. Mais peut-être pas le faire au même rythme que les autres. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Je suis contente d'avoir pris le temps de tourner, de venir vous expliquer un peu les raisons de mon absence. Parce que quand même. Voilà, c'était à faire. Je pense que vous méritez de savoir les raisons puisque vous me suivez. Je vous remercie de me suivre. Enfin, vous êtes tellement bienveillante et tellement adorable que j'avais pas posté d'un moment et puis je n'avais pas. Fait de story, j'avais pas. Et dès que j'ai ressorti une story, en fait, j'ai vu que tout le monde l'avait vu. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, allez, il faut quand même leur faire plaisir aussi. Fais un podcast. Et puis, même s'il n'y a pas grand-chose à faire, à voir, il y a quand même des choses. Bon, alors, la cousette du manteau, j'avoue que c'est pas forcément la cousette du moment. Mais bon, le reste, c'est toujours. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre famille, profitez de tous les gens qui vous entourent, profitez au max et puis on se retrouve bientôt et je vous fais des gros bisous.